Bon, aujourd'hui c'est la 58e étape et on se rapproche encore de Rome. Voilà, mais je voulais surtout montrer un peu ça. On est encore dans la zone de l'heure bleue qui en ce moment débute à 4h30 jusqu'à 5h30. Là, on est dans le dernier quart d'heure de l'heure bleue. Voilà, c'est encore tout calme, c'est toujours la campagne. Et donc je suis parti vers 5h moins 10 parce que je pense que je partirai de plus en plus vers 5h. Hein, ça. Parce que hier il a fait 37 et 30 jusqu'à 38 degrés et donc j'ai bien fait de partir tôt, donc les étapes il faut arriver à mon avis au plus tard à midi parce que sinon ça devient très compliqué. Voilà. Et donc là, il fait frais, il fait bon, donc pendant au moins 3 ou 4 heures, on pourra avancer à la fraîche. Donc, voilà. Et dans le fameux Palazzo du Pellegrino, ça se bouscule, il y avait du monde hier, enfin jusqu'à ce matin. Beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de cyclistes qui viennent faire des petits tronçons jusqu'à Rome. Alors, il y a eu deux marcheurs qui ont lâché l'affaire, deux Italiens. Pourtant, je les ai croisés hier sur le chemin. À un moment donné, il y en avait un qui avait l'air déterminé. Au bout du compte, il m'a dit que c'est bon, il rentre. Et l'autre, il était épuisé. Donc, il venait de Venise, je crois. Pas tout à pied de Venise. Ils sont partis d'ailleurs. Enfin, ils sont de Venise. Et en même temps, il y en a d'autres, avec de plus en plus de marcheurs un peu qui se croisent, puisque c'est un entonnoir. Plus on se rapproche, plus évidemment il y a du monde. Et puis les cyclistes. Donc il y avait deux couples de cyclistes français hier avec qui j'ai échangé un peu. Ça m'a étonné. Bon, enfin, ils étaient super bien équipés, tout ça. Mais en discutant, ils avaient l'air mal préparés. Bon, ils se sont perdus, ça arrive de se perdre. Mais à un moment donné, je sais pas quoi, ils prenaient le train parce qu'ils se retrouvaient de l'autre bout. Enfin bon, il y a quelque chose, ils ne savaient pas quel chemin prendre. Bon, c'était assez curieux. Ce n'était pas des petits jeunes, mais... voilà. Et bon, les cyclistes viennent, ils font quelques bouts. Hein. Enfin, c'est des vacances qui roulent. Voilà, en gros. Bon, là, j'ai à peu près 27-28 km à faire aujourd'hui. Donc je pense que ça va être autour de ce kilométrage-là. En fait, ça va être des 25, voilà, 25, maxi 30. Bon, en fonction des logements, mais ça va être ça. Ce qui fait que partir tôt, arriver midi, c'est avec cette chaleur, ce n'est pas... D'autant plus que ça va crescendo là, puisque en même temps je descends vers le sud. Donc il faut que j'intègre cette habitude à partir à l'heure bleue. Voilà. Bon voilà, c'était juste quelques images de l'heure bleue. Les oiseaux sont bons. Son rendez-vous, évidemment. Et voilà. Bon. Belle journée. À plus tard.